Douce, paisible, tranquille, à Basse-Terre, l'ambiance semble posée, presque d'un autre temps. Pourtant, ici aussi, on déplore l'augmentation des faits de violence, un constat fait notamment par les commerçants de la ville. Alors, elle progresse, hein, c'est évident. Basse-Terre n'a pas un climat particulier, différent de la Guadeloupe, hein. Nous vivons dans un pays violent, et donc Basse-Terre vit cette violence aussi. Elle est moins visible, mais nous sommes victimes du vol à l'étalage. Pas plus tard que pas longtemps, nous avons eu un braquage d'une bijouterie. Donc il ne faut pas sous-estimer non plus la délinquance dans la région de Sud-Basse-Terre. Et à Basse-Terre aussi, on se plaint d'un manque de présence des forces de l'ordre. Alors après le braquage de la bijouterie, nous avons vu la police, nous la voyons plus. Nous ne sommes pas informés d'une mesure particulière au niveau de la prévention et de la sécurité des Basse-Terriens. Le fait qu'il y ait plus de policiers qui sont en circulation sur la Basse-Terre, je pense qu'à ce moment-là, les gens seront plus, se sentent mieux pour venir à Basse-Terre. D'ailleurs, même s'il est plus rare d'entendre parler d'agression dans le chef-lieu qu'à Pointe-à-Pitre, les récents événements ont touché toute la Guadeloupe et la population basse-terrienne n'est pas en reste. Non, on n'est pas en sécurité à Basse-Terre. Nulle part on est en sécurité. Ce qui vient de se passer à Pointe-à-Pitre, ça aurait pu se passer aussi à Basse-Terre. Et en plus, on a des enfants et lorsqu'on voit ça, on pense à nos enfants. On n'est pas assuré maintenant. Même moi qui est à Basse-Terre, moi, ça me fait peur. Je vais poser des questions, on ne peut même pas s'habiller comme on veut, apporter son sac. On est en craintif pour qu'on tient le sac, on n'est pas en sécurité à Basse-Terre. C'est la Guadeloupe tout entière qui souffre de l'accroissement de la violence. Basse-Terre a beau garder son allure de havre de paix, elle n'en est pas pour autant épargnée.